et d'événementiel d'Eco Events qui a ouvert ses portes à Brazzaville. Vincent de Paul Koubemba et Bien-Aimé Condé ont préparé l'inauguration de cette maison qui entend, on va dire, offrir des services divers et variés à la hauteur de vos événements. Regardez. Une énième maison de décoration événementielle à Brazzaville. Il s'agit de Déco Event. Cette structure qui propose des services variés est une initiative de Favel Mundele Mvoisa. Nous sommes Déco Event, donc nous faisons de la décoration événementielle. Donc ça consiste à décorer les salles, des espaces ou des lieux qui sont destinés à accueillir des invités. Et cela pourrait concerner les événements privés comme les événements professionnels. Donc ça, ils sont des événements privés, donc il s'agit des mariages, des anniversaires, des baptêmes, des baby showers et des bridal showers. À l'occasion de son inauguration, une journée portes ouvertes a été organisée pour présenter aux Brazzavillois les différents articles et services qu'elle propose aux potentiels clients. Favel Mundele Mvoisa, qui a déjà fait ses preuves à Paris, a jugé bon de poser ses valises en terre congolaise. Alors, c'est un projet qui me tenait à cœur depuis très 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 longtemps. J'ai multiplié des voyages au Congo pour venir faire l'étude de marché et j'ai constaté que la demande, elle est très forte. J'ai également eu la motivation du côté de la diaspora, donc j'ai des amis, l'entourage et aussi mes clients de là-bas parce que je suis Déco Event depuis 2019. Et voilà, j'ai une société en France, je suis auto-entrepreneur, donc j'ai une société qui est déclarée. Et ils m'ont dit, bah, écoute, pourquoi pas aller proposer tes services au pays. Et ce qui m'a le plus motivé, c'est le message du président de la République à la Nation, où il a décrété l'année 2024 comme étant l'année de la jeunesse. Étant professionnelle dans la décoration, je me dis, j'ai peut-être un savoir-faire à transmettre auprès des jeunes. C'est pourquoi d'ailleurs, je voudrais proposer des ateliers de décoration ici, qui accueilleront des jeunes qui voudront se lancer dans la décoration, parce que la décoration événementielle est un métier passionnant. Et je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de jeunes. Profitant de l'annonce du chef de l'État qui a décrété l'année 2024, année de la jeunesse, Favel Mundele Mvoisa a ouvert cette structure pour promouvoir la formation des jeunes. Déco Event est une ambition qu'elle nourrissait depuis longtemps. Et pour les événements professionnels, donc il s'agit des séminaires et des soirées d'entreprise. Nous proposons également de la location de notre matériel, donc on a du mobilier, les fauteuils des mariés, donc on a des trônes, des chaises royales, des fauteuils Emmanuel, des chaises en plastique et des chaises Napoléon. Nous mettons aussi en location pour les mariés les robes de mariée et pour les hommes les tenues de cérémonie, donc comme la redingote, les smokings. Nous mettons en location également les nappes de table, les housses de chaise, tout ce qu'il vous faut pour organiser en fait un événement. En vue de donner la possibilité à la population d'y accéder, Théodore Malonga, coordonnateur des chefs de quartier de l'arrondissement de Bakongo, a au nom du chef de quartier 201 empêché exécuté le rituel traditionnel. Le vin rouge a été renversé en vue d'implorer les mânes à soutenir le projet. Tout ceci sous l'œil vigilant de l'administrateur maire sortant de Bakongo, Simone Lubinga. La maison Déco Event est située au numéro 7 de la rue Chaptal, croisement avenue de Brazza, non loin de la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Bakongo. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Au revoir.